Bonjour, nous sommes Courberia sur un nouvel appartement, un deux pièces cuisine de 63 mètres carrés. Nous sommes au quatrième et dernier étage sans ascenseur. Vous voyez ici donc l'entrée, les toilettes tout de suite là, et puis la cuisine. Donc une cuisine aménagée, ce qui veut dire non équipée, qui va donner sur la cour intérieure. Je suis un peu à contre-jour. Voilà, donc on est au calme, tout comme la chambre, on aura la même exposition. Nous sommes sud. Voilà la cuisine avec un placard de rangement qu'on aperçoit. Et puis le coin cuisine. Nous sortons de la cuisine et nous allons rejoindre un dégagement avec côté nord le salon, côté sud la chambre. Et au milieu, on a deux alcôves. Donc la chambre ici. Une chambre assez spacieuse avec de hauts plafonds, double vitrage aussi. On donne sur la cour intérieure. Et ce qui est intéressant dans cette chambre, c'est que nous allons avoir une alcôve. Voilà, une grande alcôve qui va pouvoir servir de dressing, de bureau. Les portes, comme vous le voyez, sont vitrées. Ça apporte de la lumière naturelle. Et ici, on va retrouver encore un petit passage pour aller dans cette même alcôve. Joli parquet en chêne dans la chambre aussi, joli parquet en chêne au plafond. Nous arrivons sur le salon. On a une deuxième alcôve sur le salon qui a été fermée aujourd'hui, je vous ferai voir. La porte se trouve ici et on pourra donc agrandir le salon de tout cet espace-là si on le souhaitait. Nous voilà sur le salon. Donc là, on est côté nord, on donne sur le Courberia. Joli parquet au plafond, une jolie cheminée en marbre, deux placards qui encadrent la cheminée. Et là derrière, eh bien, une cloison a été apportée et on pourrait ouvrir l'alcôve et donc gagner en surface sur le séjour à partir de la porte blanche là, toute la partie salon. L'appartement est lumineux, hein, quatrième et dernier étage, on ne manque pas de lumière. Je vais sur le balcon pour que vous vous rendiez compte. Donc vous avez de ce côté le boulevard Gambetta, la routière ici. Là, nous rentrons à nouveau. Sur ce deux pièces, je vais vous faire découvrir la salle de bain pour finir. Il y a pas mal de contre-jours, je m'en excuse. La salle de bain, donc, dans ces appartements, souvent les sanitaires ont été apportés dans un second temps. Donc la salle de bain se trouve derrière, le bloc cuisine. Et nous avons ici donc, bain, meubles, lavabo et une petite fenêtre pour une ventilation naturelle. Voilà, mais écoutez, j'espère que cet appartement pourra vous convenir. Il fait 63 mètres carrés, quatrième et dernier étage sans ascenseur et il est présenté au prix de 195 000 euros avec une cave et un grenier. Merci, à bientôt!